pour les moyens et les grands, je vous donne le même travail. Vous allez devoir retrouver les images correspondant, qui correspondent aux mots qui sont écrits en dessous de chaque petit cadre. D'accord? Donc, les images sont là. Donc, selon toi, que faut-il faire? Donc, il faut découper sur les lignes chacune des images et les coller à leur place. Si c'est écrit le singe, je vais coller l'image le singe sur le cadre où il y a écrit le mot. Alors, c'est soit là, 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 là ou là. Mais pour savoir, comme tu ne sais pas encore lire, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le lexique des mots de l'histoire. Donc ici, il y a écrit le canard. Le canard, ici, d'accord? Dans les trois écritures. Donc, il faudra regarder quelle écriture va le mieux pour la comparaison. Voilà. En fait, le lexique va s'ouvrir comme cela. D'accord? Donc là, tu as l'ensemble des mots et tu as une dernière page derrière. Donc là, il y a écrit le canard. Petite sœur lit. Les parents. Le dragon. Un sac de riz. Un saphir. Alors ça, c'est la pierre précieuse que le singe offre à Petite sœur lit à la fin de l'histoire. Et enfin, le panda et le singe. Voilà. Donc, écoute bien la consigne. En t'aidant du répertoire des personnages et des mots de l'histoire, découpe, puis colle chaque personnage de l'histoire au-dessus de son nom. Voilà. Pas trop de colle, s'il te plaît. Et on travaille proprement. Et je pense à bien écrire mon prénom. Ici. Voilà. Je te souhaite bon courage et découpe le plus proprement possible et colle le plus proprement possible. Voilà. Allez, bon courage.